Alors bonjour la team Khalilé, aujourd'hui on est devant le stade, enfin pas le stade, le QG de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui petite vidéo avec Larissa Khalil, on va vous faire le tour du QG, allez venez. On est de retour les gars, une semaine après s'être quitté, il m'avait trop manqué Kevin, le plus grec des Portugais, il est là, en direct de du centre de la commanderie. Exactement ça. Heureux de te retrouver l'ami. On est de retour à son entraînement. On est de retour avec l'équipe. Oh, elle est là, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, les gars. Oh, j'ai envie de chialer. On y va. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Maintenant l'objectif c'est tout ça, maintenant c'est digitalisé. Avant c'était que des cassettes. Ah oui, bah oui. Donc maintenant c'est digitalisé. Et du coup ici comme je te disais, quand tu finis tu commences à voir donc toute la team graphiste plus monteur. Et à partir d'ici c'est que les monteurs. À chaque box. Les archives les gars. Il y a le plus grand moment de l'histoire de l'OM là. Oh, magnifique, la suite de l'OM. Merci à Kevin. T'assures mon frère, t'assures. Voilà. En fait c'est d'ici que toutes les commandes de presse elles sont lancées. Donc lui ici depuis cette console, il peut gérer toutes les caméras qui sont à l'intérieur de la conférence. Et c'est le ce DJ. Vois, exactement. Tout ce que tu vois en live sur Twitch, tout ça, tout part d'ici. Ok. D'accord. Donc, t'as deux consoles. Un nouveau studio qui a beaucoup évolué. Avant c'était un studio juste télé de base, tu vois. Ouais, ou MTV. Exactement. Et maintenant tout est modulable en gros. Ok. Après ça c'est un fond vert. Donc évidemment on enlève le. Ouais, ça sert de décor. Ça, ouais, tu sais, c'est pour faire tout ce qui est incrustation, tout ça. Tous les fonds verts ça se passe ici. Tout ce qui est séquence photo, en fait, d'habitude il n'y a pas les canapés, ça se passe ici. C'est, en fait, on déroule la toile. Ouais. Et. Quand un joueur arrive ou quoi. C'est ici qu'il me fait sa première interview, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est ici. Attends, franchement. Du coup, sur les studios, t'as deux parties. Avant, on avait que la partie de gauche. Ça, ils appellent ça une social room. En gros, c'est plus un studio télé, tu vois. Genre, avant, c'était la télé, tu vois, c'était droit, tout ça. C'est un univers un peu plus décontracté. Et sur la partie de droite, maintenant qu'on est sur Twitch, tu as un studio qui est réservé qu'à Twitch. Et en fait. Ça, c'est pour les matchs de l'OM. Exactement. En fonction d'où tu orientes ta caméra, bah, tu as un décor, tu as l'impression d'être dans une pièce différente. Okay. En fait, tout fait face. Ça se rapproche de l'univers gaming, en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. En tout cas, merci à tous ceux qui bossent à l'Olympique de Marseille, dans les médias, pour qu'on ait du contenu. C'est important. Avec les deux mots-là, et en vrai, asseyez-vous. Hein. Zbizarreta. Comment ça va? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir fait une obsession by Puma pour le club et en plus à Athènes? Pour moi, c'est une grande satisfaction déjà parce que c'est une très pas d'adversité, justement cette notion de complicité qu'on retrouve d'ailleurs dans le match. Comment t'écris en fait en général, on va dire? Est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui va écrire le soir, le matin, la nuit? J'écris le soir. J'écris pas en fait, j'écris à l'inspiration. Donc quand j'avais ça, donc là c'est. Franchement, c'est bien. Tes impressions, Yacine, après ta signature à l'Olympique de Marseille? Enregistre-toi. Franchement, il fallait qu'ils mettent 500 000 euros, sinon je signe pas. vas-y. Kevin, c'est la fin de cette vidéo. C'était incroyable pour nous tous. On te remercie. Ben, merci à vous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bien pour la suite? On gagne un maximum de matchs. On gagne un maximum de matchs. Exactement. On espère aussi. Le clair ou le français? On remercie Enis d'être venu, Zayo, Ratatak, bientôt descend. Et le Georges féminin, Louise, qui nous a amené. Quoi, Georges? Parce que c'était notre taxi. C'était notre taxi. La fin de cette vidéo, les gars, avec les supporters qui attendent. Pour voir la sortie d'entraînement, et ça c'est sûrement le bus qui va amener les joueurs à l'aéroport, mais je pense pas. Touche pas à mon stade, touche pas à mon stade, touche pas à mon maillot, touche pas à mon stade.